J'ai vraiment sombré la semaine dernière. Et je ne revivrai plus ça, en fait. Je ne sombrerai plus à ce point. Ça, c'est clair. En fait, je sais pas par quoi commencer parce qu'il faut que je reprenne ma vie. Ça y est, je me suis exprimée, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, je me suis libérée, j'ai eu un soutien inconditionnel que j'aurais jamais imaginé. Et en fait, il faut plus que du coup, cette chose et toutes les mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie me laissent en bas. Il faut que je remonte. Voilà. Pour remonter, il faut que je recommence ma vie, c'est-à-dire que je reprenne les réseaux, que je vous montre, que je parle avec vous et voilà, que je tout en fait. Je suis fatiguée et j'ai traversé d'autres épreuves pendant cette absence qui sont encore plus douloureuses. Voilà. J'ai vraiment sombré la semaine dernière et je ne revivrai plus ça en fait. Je ne sombrerai plus à ce point, ça c'est clair. Et je vais être encore plus forte. Vous me donnez énormément de force. Mais là pour l'instant je me reconstruis et pour me reconstruire, il faut que je reprenne ma vie, en fait. Il faut que je sois forte. Faut que je me mette un coup de pied au cul, comme on dit. Et vas-y, bats-toi et relève-toi, quoi. En fait, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. On vous teste, je sais pas. Mais c'est la vie qui est comme ça. J'ai toujours cru que bon, bah, c'était l'enfance qui allait être dure, mais après ça allait. L'adolescence qui allait être dure, mais après ça allait aller. La vie de jeune adulte qui allait être dure, mais après ça allait. Et au final, il y a toujours des épreuves à surmonter, certaines fois plus faciles que d'autres, plus douloureuses les unes que les autres, ou enfin voilà, c'est comme ça. J'essaye de lire tous vos messages à toutes les personnes, femmes et hommes, puisque ça n'arrive pas qu'aux femmes. Voilà, il y a plein de femmes perverses narcissiques, il y a plein de femmes, et je dis pas que c'est ça, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il est, hein. Pas du tout. D'ailleurs, je reviendrai pas du tout sur ce sujet. Il y a tout le monde qui m'envoie des messages par rapport à ça, comme quoi il y a une cagnotte qui a été faite pour m'aider à payer. Enfin, alors là, je suis vraiment abasourdie. Je veux absolument pas que quelqu'un donne aucun argent. Voilà, que soit très clair. Le fonds est très gentil. Ceux qui ont instauré cette idée et tout, merci de penser à tout ça et tout ça. Mais sachez que je continue à gagner ma vie. Malgré tout, je fais des collaborations avec des marques. Certes, j'ai arrêté depuis quelques semaines parce que je me sentais vraiment mal. Mais je vais reprendre. J'ai de l'argent. Je gagne ma vie. Certes, ça m'a endetté sur certaines choses. Mais je veux dire, je ne veux absolument pas de votre argent. Gardez-le. C'est pas à vous de payer pour tout ça. Vraiment, c'est très gentil, mais je ne refuse cet argent.